Voilà. Donc du coup, j'ai tout chargé d'un coup là. Je sais pas, ça doit être par ordre de personne, mais après par personne, s'il y a un ordre, vous me direz parce que partagé. Véronique, est-ce que tu as vu le fameux samouraï que je t'ai envoyé? Oui, j'ai vu quelque chose comme ça. Mais c'est une petite miette, hein. On ne doit pas bien voir. D'accord. Alors, mon document, il est où? Il est là. Marlou, je vois que tu m'en as envoyé une. Ouais, ça y est, c'est une partie. Ouais. Une, deux, à deux même. Ben, je crois que c'était deux, mais si tu fais en moins, en prendre qu'une. Hein. Non, non, il y a... Ah, Donc, non. j'y suis. Hein. On a la place pour tout, je crois. Hop. Et hop. Et je reviens en haut. Avec du coup, je suis perdue dans tous les trucs là, je vous me direz. On Hein. dirait au fur et à mesure. Ça, c'est Nico. Voilà. Ah bah alors Nico, on commence avec toi. Joli. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun parle de son travail ou on parle du travail de. Tout le monde parle du travail qui est présenté, que vous voulez qu'on procède? Eh ben, peut-être que chacun peut parler de son travail et que tout le monde peut parler du travail de chacun. Voilà, comme ça Ouais, c'est pas mal. exactement. Exactement. Excusez-moi, je mets du bois dans le feu parce que le feu a failli crever, j'ai froid. Ah oui. C'est important, c'est important. Excusez-moi, j'étais dans mon atelier tout à l'heure et du coup, j'ai laissé tomber le feu. D'accord. Il n'y a pas de mal. Bon. En plus, on commence par toi. Et du coup, on commence par moi. Bon, cette mosaïque, c'est une mosaïque que j'ai faite comme ça et que j'aime beaucoup parce que même si la partie colorée est saturée. On t'a perdu. Ouais, t'es plus là. On t'a perdu à saturer, même si. Ça fait très, très, très rouge, quoi. Non? Ça fait ciel de feu, c'est beau. C'est ciel de feu. C'est pas très rouge, c'est un beau dégradé. Ça fait coucher de soleil. Non, non, c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Il fait 30 sur 30. D'accord. Nico, quand tu dis que tu l'as faite comme ça, c'est-à-dire que tu n'as pas fait de projet dessiné avant? Je ne sais pas faire ça. Je n'ai jamais. Bienvenue au club. C'est ça, c'est ça. Pareil. Moi, je ne sais pas partir comme ça, quoi. C'est plus ou moins pire. Et là, c'est vraiment un truc que j'ai fait comme ça, quoi. D'accord. Même pas sur le support, tu traces des lignes? Non, non. Non, Non? non. Ok. Donc, tu es parti d'abord tes trois pièces ou Oui, c'est des couteaux de faucheuse. Ouais. Voilà. Et dedans, j'ai incrusté de l'or. De l'or. Ouais. Très, très bon. Voilà. En fait, ça fait partie de la série que j'ai faite pour un hôtel. Oui, Ah orange. oui. Il voulait du noir et orange. Et. Voilà, je l'ai appelé Trinité. Enfin, je trouve que ça fait. Et les pierres en bas, c'est quoi? Ouais, elles sont belles d'ailleurs, j'aime bien. Du schiste. D'accord, Du schiste. ok. Du schiste sur un mortier apparent. D'accord. Ouais. Et avec les Ben, fameux petits clous. alors, tu as réussi à faire un mortier apparent. T'as du mal sur un mortier apparent, non? À la base. C'est une violence. Alors moi je vois des andamenti, un andamenti qui part du bord droite du panneau et qui va vers la gauche. Et c'est ça ou c'est dans l'autre sens? Oui, ça part de droite à gauche. Oui, de droite à gauche. Alors, je ne sais pas pourquoi. Quand je travaille en mosaïque. On te perd. Oh, c'est Écoute, assuré. Ouais. ouais, Haché, c'est travaille haché. en et on n'a pas la suite.
Je disais que quand je travaille toujours de droite à gauche. Ok. Et je ne sais pas marrant. Pourquoi. Enfin, je suis une gauchère contrariée. Ah bah c'est pour ça. Alors. C'est pour ça. Bah oui. Oui, parce que moi, je pars de gauche à droite. Et je suis droitière. Et moi aussi, je pars de gauche à droite en général. C'est drôle. Je suis droitière. Ben, vous savez, en parlant de ça, que j'ai réalisé un truc qui m'a bouleversée cette semaine. Ah bon? C'est que je ne sais pas pourquoi j'ai été amenée à prendre la main gauche pour écrire. Je ne sais plus pourquoi. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile en fait d'écrire de gauche à droite avec la main gauche. Du coup, je suis partie du bord droit et en fait, j'ai écrit en inversé. Parce qu'il fallait que pour lire, il fallait lire dans un miroir. Ah oui. Ah oui. Et c'était beaucoup plus facile comme ça. Je me suis dit, waouh. Et du coup, le fait que tu parles de ça maintenant, ça me fait remonter. Parce qu'en fait, les gauchers, ils galèrent quand même pas mal au départ. Hein. Quelle expérience. Parce que c'est pas naturel du tout, les gauchers. Bah non. Bah ouais. Et du coup, vous croyez que les Arabes, ils sont plus gauchers que nous? Ah ouais. Non, c'est une enquête. Oui, non, c'est intéressant, mais non, bien sûr. Ah ouais. C'est... Je ne sais pas. Et les Japonais, ils sont quoi, eux? Ils parlent. Ça n'existe pas chez nous. En tout cas, moi, j'aime beaucoup tes andamenti dans la pâte de verre. Comment? J'aime beaucoup tes andamenti dans la pâte de verre. Ah, merci. En tout cas, les contrastes. Avec les bords de galette, là, j'aime bien. Ou les bords de carreau Albertini, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est d'Albertini. Ouais, c'est ça. C'est les coulures, hein, les coulures des carrés. En tout cas, le contraste avec l'ardoise, ça claque. C'est... Ouais. Et puis, il y a un beau dégradé du jaune au rouge. Ouais. Bien. Enfin, ça coupe beaucoup chez moi. Ça quoi, ça? Ça coupe beaucoup chez moi. Ah ouais. Ah. Non, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça coupe beaucoup chez moi. Bah, c'est HD, j'imagine le son. Elle n'entend pas bien. Sa connexion. Non, oui. Non, c'est le sens des mots. C'est pas, j'ai entendu des mots, c'est le sens. Ah, ça coupe. Non, pardon. Je crois que tu parlais de mosaïque, moi. Je crois que tu parlais de mosaïque. Bah, toi aussi, c'est chicoté, Véro. J'étais sur un autre registre. Moi aussi, je suis chicoté. Oh. C'est que lundi, hein. Faut que je me réveille. Et une question, c'est de l'ardoise, le noir? Oui. D'accord. Tu l'as coupé, tu l'as meulé, comment tu as fait? Je l'ai taillé et puis je le pose sur la tranche. Ok. Mais toujours l'ardoise sur la tranche. Ouais, d'accord. C'est l'ardoise que tu as ramassée. C'est des pavés d'ardoise qui font, ils faisaient 5 cm à peu près d'épaisseur et que je fais avec une spatule et un marteau. Ah oui, ok. D'accord, ouais. Ouais, très bien. Parce que je suis pas loin de Saint-Giron et ouais, Saint-Giron, il y en a pas mal. Il y a beaucoup d'ardoises. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'elles ont l'air bien droites, hein, quand même. Ah, ça, c'est les dans les détails, quoi. Enfin, je finis de. Enfin, je les taille à la pince, mais l'ardoise, c'est toujours comme c'est plat, c'est droit quand tu le mets sur la tranche. Droite, ouais. Ouais, ça dépend. Parce que si tu arrives à bien tailler dans l'épaisseur, c'est droit, mais si. Oui, terrible. Ça fait des feuilles, ça fait des feuilles très fines des fois même. Oui, d'accord. Et est-ce que tu. Même si tu dis que tu travailles spontanément, sans travail préparatoire, est-ce que tu as. Comment dire, émotionnellement, l'envie de représenter quelque chose, est-ce qu'il y a une intention quand même, quand tu fais, qui se dessine, qui s'élabore, ou est-ce au fur et à mesure, au fur et à mesure, mais donc
Oui, il y a quand même une, tu as une intention qui arrive ou pas? Oui. C'est une question, hein, c'est juste une question. Oui, c'est au fur et à mesure. Et dans cette intention, il y a quelque chose que tu as envie de représenter. Est-ce que c'est purement graphique ou est-ce que il y a des concepts qui viennent s'élaborer dessus, enfin des concepts. Je veux dire. Non, l'image mentale. Moi, là, est-ce que c'était une montagne derrière en ardoise avec un ciel ou un truc comme ça, hein? Oui, après j'en ai fait un paysage plus ou moins, mais je pars de mes trois bouts. Ouais. Et puis je les positionne, je regarde comment je peux les mettre, et puis après il y a un truc qui me vient et au fur et à mesure j'avance. D'accord. Quand tu dis les trois bouts, c'est les trois bouts de métal. Il y a Carole qui a envoyé un lien. Bon, salut Carole, elle nous a rejoint en cours de route sur la réponse sur les gauchers. En fait non, il y a moins de gauchers. Il y a moins de gauchers chez les peuples. Ça m'a rendu curieuse. Ah bon. Alors j'ai un article. Je te l'ai envoyé. C'est pas l'argument du jour, donc. Et t'en as envoyé une deuxième, je crois, non? La suivante, c'est la tienne ou pas, Nico? Non. Si, je sais pas. Nous entend pas. Et on a un nouveau permis. Si, c'est Nico, ça. Ouais. Si, c'est Nico. Bon, ben, pour Nico, c'est pas possible ce soir. Ah, d'accord. Ouais. Et la suivante aussi, ouais. Les deux suivantes, d'ailleurs, probablement. Bon, ben, Nico... Ben, je pense que c'est... deux après, c'est la même. Toi, dessous, tu as une grande... Ouais. Là, ouais. Ah, celle-là, c'est la même. Je pense que c'est, ouais. Voilà. Oui, ok. Ça, ce sont les mêmes. Je crois que c'est une des dernières. C'est la dernière qu'elle a faite. D'accord. Ouais. Ah, c'est intéressant de voir les deux points de vue. On ne voit pas du tout la même chose. Ouais, bah oui. Mmh. Ah ouais, c'est bon. C'est étonnant, hein. D'accord. Excusez-moi, là, c'est le travail d'une personne en particulier ou c'est la présentation? Nico. Oui, c'est le thème. Oui, enfin, c'est à peu près le thème. Pas tout le monde, mais un certain nombre d'entre nous avons apporté son travail pour se présenter. Pour se présenter, oui. D'accord. Et pour les autres, celles qui sont là, qui ne l'ont pas fait et qui veulent le faire, vous pouvez le faire en cours de route, hein. Vous pouvez m'envoyer par mail, ou par Facebook, des photos, hein, il n'y a pas de problème, je peux les cueillir au passage. Là, l'idée, c'est que chacun envoie une mosaïque réalisée et la présente. Ouais. Ensuite, ouais, une ou deux, ouais. Ensemble. Mm-hmm. Oui, au moins une, quoi. Ok. Voilà. Bon, on a complètement perdu Nico, on passe à quelqu'un d'autre, et quand on la récupère, on reviendra sur son travail. Ouais. Ouais. Qui c'est qui a envoyé ça? Ça, c'est moi, c'est Marlou. Marlou? Oui. Voilà. Ah oui, effectivement, oui. Je le sens. Ouais. Bon, ben moi, comme Nico, j'y vais à l'arrache, quoi. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de. Non, à l'arrache. Ben si, il n'y a pas de préparation. Je veux dire, moi, je sais bien comment je fonctionne. Généralement, c'est bon, tiens, j'ai envie de couleur. Bon, ça, j'ai toujours envie de couleur. Mais je ne sais pas, moi, je ne fais jamais où je vais, en fait. Alors, par contre, je fais plutôt des petits formats, en général. Et puis, il faut que ça aille vite. Donc, je ne suis pas une vraie modéliste. Il faut que ça aille vraiment vite. Donc voilà, donc c'est de l'ardoise plantée sur la tranche, comme Nico tout à l'heure, des perles, des smalts, et puis des grandes, grandes plaques là, de dalles de verre là, que j'ai. Enfin bon, bref, j'ai rien à en dire de particulier, quoi. C'est juste que voilà, y a la couleur, et j'aime bien le contraste noir et couleur, et voilà, quoi, c'est bête que ça. Ouais. Donc, pas d'intention, pas de titre en général, enfin voilà, moi j'ai rien à dire de particulier, il faut juste que ça sorte, donc ça sort. Et puis c'est tout, quoi, voilà, et après chacun fait ce qu'il veut avec. Ça me fait rire. Non, mais c'est vrai. Après, ça ne me regarde plus, en fait, moi j'aime faire, enfin, j'aime mon travail pendant que je le fais, une fois qu'il est fait, je ne l'aime plus, donc voilà, donc c'est plus à moi, ça ne m'appartient plus, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Ouais, c'est quand même très élancé, ça fait un peu totémique. Il y a plusieurs j'ai vu plusieurs mosaïques un peu sur cet élan. Je travaille souvent par série, du coup. Ouais. Je fais un truc, généralement, j'en fais 3-4 derrière. Ouais. On est marre et puis je passe à autre chose. Mais, voilà. Mm-hmm. En tout cas, il y a de la couleur. Ouais. Ouais.
J'aime bien les complémentaires. Et ton orange, là, c'est du verre à vitrail? Non, non, c'est des... Je ne sais pas quel est le terme en italien, là, des piastrines. Tu sais, c'est des grandes plaques, mais assez fines, en fait, de pâte de verre, quoi. Mm-hmm. Elles sont en entier et puis après, ben, je D'accord. Ça fait quelle dimension? Oh, ça, c'est le petit. Hein. Ça devrait faire, je ne sais pas, 10... ouais, peut-être 22 de hauteur sur peut-être 10 de largeur. Enfin, vraiment, c'est pas très grand. Hein. On dirait pas. Hein. Sur la photo, ça fait hyper grand. Ouais, ça fait hyper grand. Non, non, c'est le côté élancé qui donne l'impression. Donc voilà, moi, je n'ai rien de plus à raconter là-dessus. Plume bleue. Bon, bah là, c'est une série plumes. Là. À un moment, je suis tombée dans les plumes. Alors, j'ai fait plein de plumes partout. J'ai fait des plumes partout. Voilà, je suis un peu monomaniaque, moi. Et donc, voilà. Là, j'avais envie de faire des plumes. Donc, j'ai fait toute une série avec des... Alors là, c'est plus grand en taille. Hein. Ça doit être du 50 par 30. Enfin, plus grand. Pour moi, c'est très grand. Hein. Et donc, bah voilà, je suis partie de l'écorce en fait, que j'ai bombée avec de la peinture blanche. Et puis après, je me suis dit, tiens, prends une couleur que tu n'aimes pas, donc typiquement le bleu. Voilà. Voilà, donc, parce que des fois, je me fais des petits challenges, quoi, genre, voilà, prends des trucs que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas le bleu? Non, j'aime pas spécialement le bleu, non. C'est donc, la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il n'aime pas une couleur. Bah, c'est-à-dire que ça me va très mal au teint, non, je rigole, mais... D'accord. Tu la portes pas bien, ok. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais il y a des bleus que j'aime, mais bon, bah, j'aime pas spécialement bleu. Là, mes couleurs préférées, c'est pas compliqué, c'est l'orange, le vert et le violet. Donc, sorti de là et noir, bon, qui n'est pas une couleur, mais bon, voilà. Donc, en dehors de ça, quand je fais autre chose, c'est que je me force un peu, quoi. Bon, enfin, bref, donc voilà. Et alors là, c'est pareil, je ne sais pas... Voilà, je ne sais pas quoi vous en dire, c'est juste donc des écorces et puis bah voilà, un peu de tout, du métal. J'aime bien mélanger les matières, moi. Et puis j'aime bien qu'il y ait du vide, j'aime bien l'espace autour. C'est pour ça que je suis très admirative des mosaïques où il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'en fait on voit que de la mosaïque, mais moi que de la mosaïque c'est trop pour moi, quoi. Il faut qu'il y ait de l'espace, ou à l'intérieur ou autour, mais enfin il faut qu'il y ait, voilà, faut qu'il y ait du vide. Donc bon bah voilà, c'est tout. D'accord. Une petite question, ce sont des morceaux de tranches de verre là, ça et ça? Oui, ça c'est des nuggets là, tu sais, c'est des nuggets tout faits qu'on trouve chez Champ. Il y a des chutes de. Ouais, enfin les deux trucs blancs que tu as montré, c'est ce qu'ils appellent les nuggets, enfin les sortes de nuggets là chez Champ. Okay. Et puis sinon, il y a des perles, il y a des petits métals. C'était juste ces deux petits morceaux qui m'ont intrigué. Voilà. Et tu as travaillé l'enduit à la chaux, c'est ça? J'ai mis un peu de chaux dedans. Souvent, je mélange du mortier avec de la chaux, juste comme ça. Je voulais... quand je rajoute une photo, ça la bascule. Pardon. Oui, du coup, Carole, tu es toujours là? Oui, toujours là. Ok. Mais c'est toi, ça, Carole, non? Oui. Oui, c'est ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps paraître sur Facebook, celle-ci. Ouais. Je vais voir. Un ponton sur la mer. C'est ça? Ah, ça y est, ça passe. Oui, c'est à l'écran. Alors, moi, c'est un ponton sur la mer? Alors, c'est un ponton sur la mer. Alors, c'était en réponse à un appel à projet. Moi, je me suis donné comme objectif minimum de faire une œuvre par an, parce que sinon, le temps passe trop vite et que je fais beaucoup de chantiers et puis beaucoup de cours, d'interventions extérieures. Donc, voilà, le côté artistique, parfois, peut passer du coup en secondaire et ça me rend toujours un peu trop triste, donc je m'oblige à en faire une minimum, et parfois du coup je l'inclus à des appels à projets. Y a des appels à projets parfois qui sont diffusés, donc voilà, si ça intéresse des personnes, je trouve que c'est un bon moyen de se motiver et collectivement. L'appel à projet, c'était vers l'étang de Thau, et l'idée c'était de récupérer des matières de l'étang et de mettre en valeur du coup ces matières-là en les mélangeant à sa pratique artistique. Donc, il y a autant de sculpteurs, de peintres, de personnes qui ont,
qui ont participé. Donc, pour la mosaïque, je trouve que ça s'y prête très, très bien d'inclure de la matière de manière générale. Mm-hmm. Là, il y a des bouts d'huîtres. Et alors, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait un artisan à l'époque qui faisait des huîtres en carré. Je ne sais pas si on distingue bien. C'est pour ça que j'ai aussi envoyé un détail. Ah ouais. Des carrés blancs. Et en fait, c'est des huîtres qui ont été taillées en carré. D'accord. J'avais jamais vu. Voilà. Et alors, du coup, c'était un peu cadeau, quoi. C'était carrément, ouais. Ouais. Et donc, j'ai flashé. Ça, j'ai adoré. Donc, j'ai choisi cette matière, le filet, là, qu'on voit un peu plus bas. Uh-huh. Des bouts de bois. Et alors, si on revient à la mosaïque plus générale, il y a aussi beaucoup de moules, parce que les moules, c'est génial, ça déjà se dégrader entre le bleu et le blanc, avec des petites teintes violettes qu'on ne voit pas forcément dans le général, mais voilà. Là, t'en montres, elles sont où? Bah, les moules, elles sont dissimulées. Ah, dissimulées ou disséminées? Disséminées. Disséminées et un peu cachées. Oscillée, d'accord. C'est un peu des fois j'entends des mots comme ça. Alors, on les voit pas comme ça. Hein. Ça peut paraître des pattes de verre de loin, mais ça va être des moules. Il faut le voir de près. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que là, on a une vision plus générale. Et puis en bas à gauche, il y a toute une petite série de mini coquillages, de bouts de terre, il y a plein de petites matières en fait après qui sont justement cachées dans cette masse. Voilà. D'accord. Donc après je saurais... voilà, donc c'était pour cet appel à projet là. Et ensuite moi j'ai pas forcément du coup fait de dessin, j'avais plusieurs idées. Je savais que je voulais donner l'idée d'un horizon et d'un regard vers l'horizon. Donc amener cette perspective visuelle. Je savais que je voulais travailler sur la rythmique avec les lettres. Pardon, je voulais travailler avec la rythmique sur avec les parcs à huîtres. Oui. Donc l'élément qui est à droite. Et donc aussi du coup ça me faisait travailler un peu sur les reflets. C'est qui a fait du bruit comme ça? Il y a quelqu'un qui traficote. Ça fait du bruit. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Mais par contre, voilà, je n'avais pas forcément de dessin préalable. Ça, tout a commencé avec la huître en bas à droite, la grande huître blanche, sur laquelle il y a un petit bout de filet. Mmh. Et ensuite, ça s'est fait un peu tout seul avec parfois des reprises d'esquisses, des retouches et voilà. Et dis-moi, les matériaux qui sont en haut, qui semblent être piquetés. C'est un filet par-dessus. Ah, c'est un grand bout de filet. Voilà. Ah ouais, ça fait une impression visuelle intéressante, si j'arrive pas à comprendre. D'accord. C'est un peu ça. C'est aussi parce que du coup, les étangs sont un peu menacés, donc c'était aussi une manière de parler de cette menace, tout en amenant aussi des textures un peu... différentes au niveau de la mosaïque. Et voilà. Excuse-moi, Carole, c'est un fer à béton là qui est en haut des bouts de bois qui représentent les parcs là, à huîtres. Alors, ça, oui. les bouts de bois, c'était un trafic entre un bout de bambou. Ah. Il y a du bambou, il y a des pics à brochettes. Pour les plus petits, travailler parce que du coup c'est de plus en plus petit, donc ouais, après je suis partie sur des pics à brochettes, voilà, qui sont teintés, et il y a des bouts de bois réels et puis des bouts de pâte de verre, puisqu'elles sont plus grosses, les pâtes de verre sur la tranche Albertini, que les brochettes, donc en effet visuel. Et après il y a du Védi, puisque c'est très facile à couper. Qui ont été ensuite texturisés un peu avec des mortiers cicalatex. Okay. Et puis, du coup, moi, je fais toujours des mélanges avec cicalatex, mortier. Je jette un peu de sable, des bouts de coquillage, et puis ça texturise un peu. Il y a des algues dedans, et voilà, ça donne un peu cette matière. J'ai réussi, en tout cas. Oh, ouais. Bah, si, c'est gentil. C'est très beau. Et c'est quoi les dimensions?
C'est 65, 65 par 55. D'accord. Ou quelque chose comme ça, pas trop loin. Et voilà, donc elle a pris le titre de émanation. Mmh. Voilà, comme quelque chose qui émane. C'est très beau. Ouais, c'est super. Et voilà, moi, personnellement, quand je fais de la mosaïque comme ça, j'ai une sensation d'être un peu j'ai une sensation un peu d'alchimie et d'avoir un devoir de donner une place à chaque élément pour qu'il puisse se fondre avec tous les autres et qu'ensuite tout ne devienne plus qu'un. Je sais pas, c'est vraiment une sensation, hein, c'est pas, enfin, que je elle est abstraite, hein, mais c'est un peu comme une danse où tout doit être tout doit fonctionner ensemble. Dès que je pose quelque chose, je me demande si vraiment c'est sa place, c'est le moment de mettre celle-ci. J'ai l'impression en tout cas de faire de la mosaïque comme ça. Mmh. Ajuster. Ce que tu dis, ça m'évoque une sensation que j'ai quand je suis dans la nature. Des fois, j'ai besoin de ramasser un truc que je vois, mais je sais pas, c'est presque plus fort que moi, où je sens qu'il faut le faire parce que c'est juste de le faire. Et des fois, ça ressemble à rien. Hein. Quand tu parles, ça m'évoque cette sensation que j'ai de, ça tombe juste de faire ça comme ça. Ça a du sens et ça trouve sa place parce que c'est juste quoi. Ouais. Ça m'évoque cette sensation que j'ai quand je me balade. Mais je l'ai remarqué particulièrement sur celle-ci, parce que j'essaye d'observer aussi des choses un peu plus subtiles à chaque fois, tout en me laissant aller, parce que j'aime bien qu'il n'y ait pas de dessin préalable pour être beaucoup plus libre dans mes réalisations. Mais c'est vrai que parfois, je mets quelque chose, et puis je me dis, mais non, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas là, c'est pas ça, c'est pas maintenant. Ça peut aller dans la couleur, mais ça ira pas dans la forme, ça ira pas dans. C'est pas là, c'est pas comme ça. Mmh. Et j'ai l'impression plus de réfléchir, pas de réfléchir, hein, mais d'être amenée à réaliser à travers ça plutôt qu'à travers tout autre chose. Mmh. C'est comme un, voilà, comme si elle se faisait à travers une chose comme ça, très 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 abstraite aussi en moi. J'ai pu l'observer en tout cas à travers celle-ci. Donc il y a comme une sorte d'alchimie aussi qu'ensuite, une fois qu'elle est posée, elle est plus elle-même, elle fait partie d'un tout. Ouais. Pour moi en tout cas. Ouais. Bon voilà, ça y est, c'était mon expérience. Merci. Après, Corinne, tu nous as envoyé l'image du samouraï qu'on cherchait la dernière fois. Hein. Voilà. Qui déjà, d'ailleurs, j'ai oublié. Marco Bravura. Ah, Marco Bravura, oui. D'accord. Et ben, Carole, tu as travaillé pour Marco Bravura, si je ne me trompe pas. Hein. Non, Marco De Luca, moi. Non, Marco Bravura, j'avais juste été élève de sa fille, Dushana Bravura. Ah, d'accord, ok. D'accord. Oui, bah, c'était c'est une mosaïque que j'ai vue à Ravenne qui m'a. Je pense que c'est ça qui m'a déclenché l'envie de persévérer. Voilà. J'étais très intriguée. Ça date d'il y a quand même. On est quoi? On est en 2020, il y a 12 ans. Donc, c'est un peu ce que tu disais, Véronique, il y a quelque temps. Il y a 15 ans, 20 ans, on ne voyait pas ce qu'on voit aujourd'hui, bien évidemment. Et pour moi, ça, c'était hyper. Hyper révolutionnaire. Voilà. Mmh. C'est ça que j'ai aimé.
Et les photos suivantes, ce sont aussi des tiennes ? Comment ? Non ? Celle-là, si, Corinne, c'est toi, ça ? Oui, 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 les photos c'est suivantes. C'est à moi, ça, oui, 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 oui. Alors, ça, c'est une mosaïque qui fait partie d'une série que j'ai intitulée Métissage. C'est un jeu de mots, métissage, entre le métissage culturel et l'étiquetage, donc les tissus du Pérou. Ça, c'est un motif du coup colonial, hein, quand les Espagnols sont arrivés. Et il y a deux autres panneaux avant qui représentent des motifs de tissus réalisés en mosaïque, en noir et blanc. En fait, dans ces panneaux, il y a plusieurs métissages. Il y a le noir et blanc qui est le métissage. Les Espagnols sont arrivés au Pérou et ils ont fait venir des esclaves africains pour vider les mines, pour travailler dans les mines. Donc, je l'ai représenté en noir et blanc avec du gris. Il y a le tissu du Pérou moderne, donc ce qui est en dessous des fleurs blanches sur fond de ciment. En dessous, c'est du tissu du Pérou actuel, voilà, des Andes, celui-là. Et sur la partie gauche, donc le panneau avec les fleurs en pâte de verre et le marbre, c'est un motif de l'époque coloniale. Voilà, donc ça c'est un panneau métissage. Il y a dans cette série, il y a 6 pièces. Ah, d'accord. Mmh, d'accord. Voilà. Donc, j'ai exprimé en fait dans cette série ce que j'ai vu au Pérou pendant des années en allant dans les musées voir des tissus pré-incaïques, en observant les motifs sur les céramiques, voilà. Alors, celui-ci est pas représentatif des motifs du Pérou, mais particulièrement, puisque ça s'est importé des Espagnols. Voilà, je voulais montrer celui-ci parce que c'est celui que je préfère, moi. Enfin, que j'ai beaucoup aimé travailler la partie marbre. D'accord. Je sais pas si on peut faire un petit... Un petit zoom, mais voilà, il y a beaucoup de morceaux, il y a beaucoup de tailles dans celui-ci. Et ça fait, chaque panneau fait 15 cm sur 60, 15 cm de large sur 60 de long, de hauteur. Quand tu dis la partie marbre, c'est le noir ou c'est... Le noir, oui, le noir. Ouais. Ouais. Le noir. Voilà, le noir sur le panneau avec toutes les fleurs en couleur. C'est intéressant d'avoir l'histoire derrière. Oui. On ne se rend pas compte forcément de tout ça. Bien sûr. C'est sympa. Oui, quand on voit une œuvre, il y a pour la personne qui l'a exécutée, il y a forcément une histoire. Il y a... Même si parfois je fais aussi comme toi Margot ou Nico sans réfléchir, je me lâche, il y a quand même une expression au fur et à mesure qu'on construit un pays, ça nous évoque quelque chose forcément, enfin, je pense, peut-être pas vraiment. Voilà. Moi, personnellement, je pense que ce serait important et intéressant que justement, en dessous des travaux artistiques, il puisse y avoir plus de petites annotations comme ça, parce que autant pour du public, on va dire, plus professionnel, ça peut être aussi intéressant. Et pour un public amateur, c'est primordial parce que... pour certains, une œuvre, ça va être quelque chose d'assez froid. C'est quelque chose. J'ai beaucoup de retours là-dessus et c'est vrai que oui.
qu'en fait, c'est essentiel parce que ça amène aussi quelque chose. Ça amène une lecture, ça amène... Moi, je lis tout à fait autrement. Sans forcément que ce soit des lignes et des lignes et qu'on ait l'impression, justement, de lire un livre, quoi. Mais oui. Deux, trois petites phrases, parfois, ça aide à faire rentrer dans un univers. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, quand je les expose, quand j'expose cette série, en général, je mets une affichette avec des explications. Voilà, je donne des informations sur le cours. Parce qu'au final, c'est, je ne sais pas quelle est la tendance, mais la tendance, en tout cas contemporaine, c'est beaucoup de mettre une œuvre, de mettre 100 titres, et puis bon, bah voilà, après, les gens... C'est vrai. C'est quelque chose d'assez minimaliste. Et moi, je serais plutôt sur une tendance inverse, d'expliquer, bah, de mettre plus d'informations sur les matières utilisées, parce que parfois, on ne les voit pas. Et on se dit, bah, tiens, et puis voilà, ça aide à l'observation. Et puis, de mettre une petite note d'intention. Mais elle peut être farfelue, la note d'intention. Ça peut être, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On n'est pas obligé d'être formel non plus. Moi, j'aime bien les deux, en fait. C'est-à-dire mais les deux ensemble. C'est-à-dire que j'aime bien commencer par avoir ma propre relation à l'œuvre et créer ma propre histoire avec mon propre imaginaire. Et après ça, c'est un peu comme les livres et les films, quelque part. C'est-à-dire que quand j'aime bien lire un livre avant de voir le film parce que j'ai mon imaginaire qui se met en place. Et parce qu'après, avec la réalisation d'un auteur, qui n'est pas forcément d'ailleurs l'auteur du livre, je vais rentrer dans son image mentale, dans son imaginaire à lui, qui peut être complètement différent du mien. Et si je démarre par ça, ça me saborde un peu mon histoire. Et après, naviguer entre les deux, et là, c'est pareil. Mais exactement, c'est ce que je te dis. J'aime les deux. C'est-à-dire démarrer, commencer par... Coucher, là, Véro, on t'entend plus. Je voyais, là. Donc, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, mais j'aime bien démarrer par moi d'abord. Parce que si je démarre par l'autre, après, je peux plus élaborer mon propre univers toute seule. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ensuite, je demande... Et toi, qu'est-ce que tu y as mis dedans ? Mais après, en second. Donc, mais ça marche ce que tu dis, Carole, parce que du coup, je ne suis pas obligée de lire d'emblée la note d'intention. Exactement, voilà. Mais c'est la surprise. Ouais. Voilà. Par contre, quand il n'y a rien, ça impose qu'il n'y a rien. Que exactement. Que tu débrouilles. Exactement. Mais je trouve que quand il n'y a vraiment rien, en fait, ça s'adresse plus à du public professionnel ou déjà un peu initié. Alors que quand on inclut aussi une petite explication, quelque chose, une petite note d'intention ou du matériel, ça encouragement, je trouve, à des personnes qui peut-être ne sont pas dans cet univers-là tous les jours et qui ont l'habitude aussi de regarder beaucoup des écrans, des télés. Oui, ça peut donner des clés de lecture, effectivement, qui aident. Qui aide, voilà, ou accompagner en poésie, par exemple, même par exemple aider à une lecture, même ça peut être un texte pédagogique. Si par exemple on veut rien écrire de spécial et que tu aimes cette idée que chacun se fasse sa propre idée, ça peut être écrit justement. Et les gens peuvent se dire tiens, je peux regarder ça et puis imaginer ce que je veux. Ok. Peut-être qu'il y a des gens qui ne pensent même pas à ça. Oui, c'est probable. Mais en revanche, je mettrais juste un vocabulaire différent quand tu distingues les professionnels des amateurs. Moi, je ne le mettrais pas sur ce registre, mais plutôt ce que tu disais par la suite, initié de non-initié. Parce que pour moi, un professionnel d'un amateur ne se différencie que d'un numéro de Siret. Et ça ne... Haché. Je disais que pour moi, un professionnel d'un amateur ne se différencie que par un numéro de tirette et ne dit rien de l'expertise de quelqu'un, en fait. Dans notre métier à nous, hein. Il y a d'autres métiers où, bon, non, ça va, mais dans nos activités. Et du coup, je suis plus sensible à initier amateur initié, à la limite, oui, pourquoi pas, encore que. Mais quelqu'un qui a initié dans le sens, quelqu'un qui a un œil, qui a
une habitude déjà d'un travail dans un dans une direction qui a une sensibilité aiguisée quoi et voire une expertise. Et parce que par exemple en peinture, je pense que je commence à avoir un œil aiguisé, mais moi je suis pas un peintre. Je me mettrai jamais dans quelqu'un d'expert, tu vois. C'était une catégorie très, oui. Je dis ça comme ça, hein, des personnes qui côtoient, on va dire l'art un peu de ouais. plus près ouais. d'autres. C'est pas du tout l'univers. Moi, j'ai la chance, je dirais, de vivre avec quelqu'un qui n'est pas du tout, du tout dans un univers artistique. Et parfois, il me dit, mais moi, t'adores ça, ok, mais moi, j'y comprends rien. Ouais. Ou, quand on va, et ça me permet d'avoir le recul aussi d'une personne ouais. pour qui c'est pas du tout l'univers. Et c'est important que ces personnes-là puissent aussi avoir accès à. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, ça reste une réflexion oui, ouverte. Donc, comme ça, oui, oui, c'est sûr que c'est super d'avoir l'histoire. Et puis, ça fait voyager dans le Pérou, tout d'un coup, ça fait voyager ailleurs. Quoi. Mmh. Couleur s'y amène. Ouais, ça fait voyager. Et donc, du coup, la suivante, c'est aussi toi, alors, d'après ce que je comprends. Oui, les deux suivantes. Alors, est-ce que tu peux mettre plutôt l'autre, la suivante, parce qu'elle fait aussi partie de métissage. D'accord. La ronde. Mm-hmm. Du coup, voilà. Ça, c'était une partie. C'est une explosion de couleurs comme j'ai côtoyé au Pérou, soit dans les vêtements folkloriques, soit dans la vie de tous les jours, les gens s'habillent beaucoup, beaucoup en couleurs, beaucoup plus que nous. Mais c'est toi, Corinne Sampéré, je ne sais pas. Oui, bah ouais, j'ai changé de nom, j'ai divorcé depuis. D'accord. Et ouais, c'est un parcours de vie, voilà. Oui, c'est moi, Corinne Sampéré. Bah donc, je connaissais. D'accord. Et alors ça, c'est un jupon. Enfin, c'est ce que moi, j'en ressors. Hein. Je n'ai pas calqué un jupon. Mais en tout cas, pareil, il y a un métissage parce que j'ai mis les tissus, les lignes très colorées. Là, c'est du tissu des Andes également. Et j'ai dessiné avec les tesselles, les nacres, les perles, les galets, des motifs que j'ai interprété, voilà. C'est les miens, ce sont mes motifs. Mais c'est un jupon d'une femme qui danse, voilà, vue du ciel. Ouais, ouais. Ah, oui. Et il fait partie de la série Métissage, puisque c'est sur le Pérou, voilà. Le métissage, là, il est plus sur le culturel et le Pérou d'aujourd'hui, sur l'ancien et le Pérou d'aujourd'hui. Avec du bois, de la pâte de verre, du tissu, des millefiori, des galets, des nacres. J'aime bien aussi mélanger des bandes de cuivre que j'ai tournées en petits tubes. Voilà. Et la couleur. En fait, c'est avant d'aller au Pérou, je vivais à Paris. Et je travaillais dans la finance, on s'habillait en s'habillant noir et blanc beaucoup. C'était le code vestimentaire. Et quand je suis arrivée au Pérou, ça m'a fait aimer la couleur. Voilà, ça m'a fait oser la couleur aussi. Puisque je m'habillais moi beaucoup en noir et blanc. Ça, c'était avant. Voilà, on peut passer au portrait, Véronique, si tu veux bien. Alors, le portrait du haut, il est réalisé en pâte de verre. Oh, attends, pardon, j'ai... Oui. Je reviens dessus. Voilà. C'est bon ? Ouais. Donc, je l'ai réalisé en pâte de verre dans un stage avec Mélène Lanoé. Mm-hmm. Elle est venue à Toulouse et on s'est retrouvés avec Ariane. Mélène, Sylvie Potier, on était chez Sylvie Potier dans son atelier
Et Mélène nous a donné un cours. Voilà, il y avait une autre personne aussi, je ne me souviens plus qui c'était. Et j'ai voulu interpréter le portrait de la femme d'un tableau qui s'appelle La Bien-Aimée, un peintre anglais du 19e qui s'appelle Gabriele Dante Rossetti. Il a un nom italien, mais c'était un peintre anglais. Et ce tableau s'appelle La Bien-Aimée. C'est une femme de la bourgeoisie italienne qui doit se marier avec un monsieur qui a 3 fois son âge. Et elle a un air résigné qui m'avait beaucoup touchée. Voilà. Donc j'ai voulu faire ce portrait. J'ai beaucoup aimé travailler le portrait. Là, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'elle a un cou énorme, la pauvre. Et il n'était pas si gros que ça. Voilà, mais bon, j'ai beaucoup aimé. La bouche, je l'ai refaite. Alors, j'avais commencé le portrait en stage et je m'étais arrêtée au niveau de la bouche. Mélène était repartie et tout le bas, je l'ai fait à la maison. La bouche, j'ai dû la défaire 4 fois avant d'être contente. Voilà pour celui-ci. Donc, je l'ai installé comme si c'était un... Vous savez, ces petits... Macamé. Oui, macamé. Oui, ouais, voilà. Je voulais en faire... Et dans quelle grandeur, les tableaux? Oh, il fait 70 de hauteur sur 55 de large. Ah, je le voyais pas si grand, d'accord. Je n'avais pas compris l'échelle du tout, en fait. Ouais, c'est pas évident, l'échelle. Et puis, il est sur un panneau Weddy. J'ai peint en rouge et ensuite j'ai appliqué de la feuille d'or. Mmh. Voilà. Pour faire camé. Ouais. Ça, c'est original, hein, ce rond autour de la tête, parce que ça lui donne des cheveux presque, ouais. Et puis ça donne un cadre. Là, je peux lire. Il y a quelque chose d'assez bluffant qui fonctionne bien. Tout cas, surtout au niveau du haut de la tête. Ouais. Quelque chose d'assez, d'assez naturel presque, qui hop, se confond dans un cadre. Ouais. Oh, oui. C'est vrai que quand tu le dis, c'est un peu large, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite, mais c'est vrai que... Il y a un côté un peu tronc que tu peux prendre très facilement. C'est léger. Hein. Ouais. Sinon, c'est très joli, c'est très doux. Ouais. C'est osé, même ce ovale autour, moi, je trouve. Ah, c'est osé, tu trouves? Mais c'est osé dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est... Il y a quelque chose de... Je sais pas, dès qu'il y a à toi. Ouais, je sais pas, il faut y penser, de mettre ça dans un rond et de se dire, bah tiens, ça va lui faire ses cheveux et puis ça marchera. Oui. Ça marche, quoi. C'est sympa. Ouais. Comme quoi, des fois, c'est comme ça. Oui. Ça me semblait une évidence, quoi, ce que tu disais tout à l'heure. C'est... c'était évident. Bah, y a une alchimie, hein, un peu comme dans les relations humaines. Hein. Oui. Oui, les voilà. Matière. Je ne me suis pas creusé la tête, en fait. Tu vois, c'était... Je l'ai posé. Oh, j'ai dit, mais oui, avec de l'or, ça fera les cheveux. Sympa. Et alors, le dernier, je vais pas faire trop lent parce qu'il y a d'autres personnes derrière moi, je pense. Non, mais on finira demain hein, parce qu'on ne va pas finir ce soir. Donc, en prenant le temps qu'il faut. Hein. Temps. D'accord. Alors, je l'ai réalisé à Spilimbergo. J'ai fait un stage d'été. C'était, je crois, en 2011 ou 2012. Je ne sais plus trop. Je l'ai commencé en stage et je l'ai terminé à la maison. Enfin, j'en avais fait une bonne partie en stage. Hein. C'était un stage d'une semaine. Peut-être vous la connaissez. Je l'ai fait avec l'aide de Valérie Amanzo. Oui, j'étais dans ma classe. D'accord. Ah, c'est drôle. Donc voilà, j'ai fait avec elle en stage et ce que j'ai fait chez moi, c'est en fait sous la bouche. Voilà, je crois que j'avais fait la bouche sous la bouche et puis tout le pourtour. Donc j'avais le dessin est absolument pas de moi. Hein, peut-être vous reconnaissez parce que c'est un designer italien. Ses dessins de portraits de femmes comme ça ont été repris dernièrement. Et on les voit beaucoup sur des vaisselles.
Ça vous dit rien? Des assiettes, des tasses, non? Non. D'accord, j'ai pas... tellement confondu dans ton... que même si on le connaissait, on le verrait plus. Parce que ouais, je me souviens pas de son nom. Donc là, c'est du marbre et puis un peu de pâte de verre. Tout ce qui est très blanc, là, je regrette d'ailleurs d'avoir mis de la pâte de verre, mais à l'école, il n'y avait pas le blanc qu'il me fallait. Et donc, on a utilisé la pâte de verre. J'ai utilisé de la pâte de verre. Mais je trouve que c'est pas très. Ça fait tache. C'est un peu dommage. Et puis les feuilles, j'ai fait des feuilles d'or et puis j'ai mis des feuilles en céramique. J'avais un pot de fleurs qui s'était cassé sur lequel il y avait des jolis feuillages. Donc j'ai découpé à la pince japonaise dans la céramique les feuilles. Voilà, et ce portrait regarde à travers un buisson. Ah, voilà, okay. Du buisson feuille de feuillage. Et j'ai beaucoup aimé travailler le portrait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le portrait, mais je n'en ai pas refait depuis. Et là, Véronique, je ne te cache pas que cet après-midi, enfin depuis ce matin, j'essayais de faire la Madone que tu avais passée. Il fallait juste faire les andamenti, mais moi j'ai essayé de faire la mosaïque de la Madone. Et waouh, c'est difficile. Voilà pour moi. Merci de votre écoute. J'ai chargé tes photos, hein, Marie-Noël, j'ai vu. Oui, merci. Mais je pense qu'on aura besoin de finir demain parce que déjà à moins 5. On dirait une lune cette représentation, ce visage. Ouais. Ah oui. Une lune automnale. Une lune automnale. C'est une lune. Ouais. Ouais, peut-être. C'est comme une personnification de la lune. C'est... Ah ouais, c'est drôle. Ouais, ouais, carrément. Enfin bon, très joli. J'étais contente. J'étais contente. Alors, ici. Je la connais, mais je ne sais plus qui l'a faite. Qui c'est qui l'a envoyée ? Moi. Ah, Annick ? Annick. Ah, je ne me souvenais plus que c'était toi. Alors, l'histoire, ça a démarré avec la pièce en métallique complètement rouillée qu'un ami qui fait du bateau a trouvée sur une plage. Me l'a passée et comme d'habitude, on me dit oh, « tu sauras bien en faire quelque chose un jour ». Effectivement, ça traînait dans mon fourri. Je l'ai regardé, je dis « tiens, on dirait un héron ». Et je l'ai posé sur je l'ai fixé sur un socle en béton cellulaire. De ça, j'en fais pas mal. Enfin, j'utilise beaucoup de béton cellulaire pour faire des socles que je recouvre. Donc, je mets de la fibre de verre et après du mortier. Et ça tient très bien parce que j'en ai pas mal qui sont dehors, qui sont là depuis pas mal de temps. Et ça bouge pas. Et j'ai recouvert, on voit peut-être pas trop, là. Moi j'ai recouvert avec du marfil. Pardon, du quoi, du ? Du marfil, en fait c'est le marbre que je récupérais à l'époque dans les carrières à Alicante. D'accord. Je récupérais du rouge d'Alicante et il y avait beaucoup de marfil. Donc, d'accord. Là, j'aimais bien, mais j'ai mis un peu dans tous les sens, voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a son repas prêt, qui sort du micro-ondes. J'ai entendu. C'est pas le micro-ondes, c'est le four. Et donc le marfil, c'est le marbre blanc, c'est ça ? Oui, oui. Enfin, il est blanc, là, il fait cassé. Très blanc, mais il est un peu crème. D'accord. Je connaissais pas ce marbre-là, marfil. D'accord. Je ne connaissais pas le nom. On ne voit plus crème.
Ouais. Ou un peu plus crème en haut. Et ça fait quelle hauteur tout ça? Alors, il fait 50, le socle fait 50 et le héron, enfin la partie métallique, fait à peu près 55. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Et le Ciporex, donc tu dis que tu utilises beaucoup le Ciporex, tu le coupes comment? La scie. La scie, ça se coupe. Oui, c'est facile à couper. Ouais. Très bien, en plus, ça peut se sculpter, ça se lime, on peut faire des sculptures, ça peut être assez sympa. Oui. Par contre, ça se coupe, ça fait beaucoup de poussière, mais sinon ça va. Oui. Ils font un masque. Oui, les masques qu'on utilise en ce moment. J'en ai dans l'atelier, mais je n'oserais pas me balader avec. Quoi comme base de matière, le Ciporex? Du béton cellulaire. Du béton cellulaire. C'est blanc. C'est très léger. Oui, c'est très, léger. Très léger. Ça, c'est l'avantage. Ouais. En fait, j'utilise en support, j'utilisais du Véli. Bon, j'ai utilisé du bois, du Véli. Et maintenant, j'utilise beaucoup de... du béton cellulaire et de la... Oh, c'est pas de la mousse, c'est de la... J'ai un trou de mémoire. Ça se coupe pour faire des volumes, ça se coupe avec un fil chauffant. Ah. Du polystyrène? Merci. Non, polystyrène. Ouais. Du polystyrène. Ouais. Du polystyrène extrudé et on peut faire pas mal de choses avec aussi. Mm-hmm. Mais toujours pareil, je recouvre toujours avec de la fibre de verre et après du mortier. Du coup, ça me fait, même quand c'est sur une... quand c'est pas un volume, ça permet d'avoir une surface toute blanche. Et là, on regarde et on est comme devant une page blanche. On dit, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Non, je rigole, hein, parce qu'en général, je pars comme, je ne sais plus qui est-ce qui l'a dit tout à l'heure, sur une pièce et puis après, ça se balade et puis ça se construit petit à petit. Mais rarement avec un dessin, ce qui est souvent une erreur, mais bon, c'est comme ça. Et donc, il y a l'ombre du héron sur... Oui, avec... c'est un marbre. Si j'avais ce marbre-là. Ouais. Oui, d'ailleurs, l'ombre portée selon chaque plan de vue, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Tu les as fait sur les deux autres faces aussi? Oui. La pièce métallique, elle est extraordinaire, hein. Bah, elle est géniale. Moi, j'ai hâte de le faire. Et... Très chouette. Est-ce que ça vous va si on poursuit demain? Il y en a encore deux à toi, je crois, Annick. Il y a Marie-Noël, il y en a une des miennes. Et si d'autres veulent... Il y a les miennes aussi. Et Angélique, oui, pardon, que je n'ai pas encore posé. Donc, on n'a pas fini Nico non plus. D'accord, on a perdu en cours de route. Donc, on poursuit demain. Ouais, d'accord. Très bien. Okay. Ok. Allez, à demain. À la paix, bonne soirée. Bonne soirée, à demain. Ciao. À demain.